Hey yo les gens, c'est DrakeSurvie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour la nouvelle saison, parce que ça fait quand même une semaine qu'elle est sortie la saison, donc voilà. Normalement j'avais dit qu'il y aurait l'événement, mais sauf que j'ai eu un petit problème avec le logiciel, donc j'ai pas pu faire l'événement, je m'en excuse. Donc je vais vous parler un peu du Game Pass et puis tout ça, je vais vous parler un peu de ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent sur TikTok et puis tout ça, donc je pense qu'il y a eu pas mal de YouTubers qui l'ont fait. Mais moi je pense que je vais vous dire mon ressenti au niveau de cet événement et de cette saison. Donc on va commencer par le Game Pass, parce que clairement le Game Pass est très utile. Donc piste 1, piste 1, saison 4. Donc, déjà, pour regarder un peu la saison 1 du nouveau chapitre, donc déjà, on a un nouveau petit accueil qui représente Fortnite pour le pass de combat. Donc le pass de combat avec les bonus, les livraisons mini-saison et Geralt de Rive pour le skin secret. Pour vous dire, moi qui m'a pris, que j'ai pris le pass, c'est parce qu'il y avait Geralt de Rive. Pour ceux qui connaissent un peu, Geralt de Rive et The Witcher. Et pour ceux qui ont joué à The Witcher 1, 2 et 3, je pense que tout le monde le connaît. Et même avec la saison sur Netflix qui est Geralt de Rive, les premiers moments avec Cyrilla. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vous invite à aller regarder The Witcher sur Netflix. Donc pas mal de petites choses, le pass de combat est quand même bien varié. Je trouve que chaque saison est différent. J'ai déjà débloqué trois pages, donc avec Mazi. Je sais pas où ils sortent les skins, mais voilà, donc on a quand même pas mal de petits skins. Ah, j'en ai 4, j'ai 4 passes, 4 pages de débloquer. Alors je les débloque par page, parce que comme ça va plus vite. Donc normalement là pour le prochain il m'en faut 34. Donc normalement c'est 34 par 34. Donc voilà. Petit truc bien sympathique avec pas mal de skins. Hein, donc avec le style Aro Astoro qui est. Alors attendez, par contre, ça c'est Dooms. C'est une armure Dooms pour ceux qui connaissent bien le jeu. Je sais pas s'il y a eu des films, mais voilà, c'est plutôt sympa. Comme petit truc, on a donc elle, que je ne pense pas que ça soit épique. Donc c'est un skin épique que Fortnite a fait. Nous avons encore elle, donc il y a au moins deux variantes. C'est marrant parce que maintenant il y a deux variantes à chaque fois de chaque skin, à part pour les débuts. Donc là pareil. Et pareil pour l'intemporel, donc pour le skin champion, hein, le skin final qui est clairement. Oh bah d'accord. Ok, alors là on a clairement une. J'avais pas remarqué, mais oui, c'est la marche du commandement. Ouais. C'est pareil pour la reine du cube. Donc c'est un peu différent, mais c'est clairement identique. Donc voilà, avec là pour le moment on peut pas les voir. Ah si, on peut les voir. On peut les voir, donc il y aura 6 pages. 6 pages de chaque 6 pages de chaque machin. Et pour le reste, pour le moment, c'est pas débloqué. C'est tout à fait normal. Nous avons l'émission. Ça c'est quoi, serveur? Ça. Livraison de mini saison. Alors je pense que ça sera plus tard. Ouais, bientôt, dans 23 jours. Ouais, c'est un peu comme avec Geralt, donc qui est encore dans 58 jours, 58 jours. Ouais, c'est plutôt pas mal.
Et le club, bon, ça pour ceux qui connaissent le club, voilà. Donc voilà Oli, et on va, alors attendez, avant de parler de quoi que ce soit, pour ceux qui ont fait déjà les quêtes machin ou quoi que ce soit, pas mal de quêtes, je vais vous parler de la map, moi qui je trouve qui est un peu, bizarre. Normalement, comme vous le voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 6, 7, 8, 9, ouais, 9, 9, 9 villes, bah c'est des villes, ouais, 9 villes, 9 avec nom, sauf qu'il n'y en a que 6 qui sont des zones recommandées, donc des points d'atterrissage recommandés, donc normalement pour ceux qui ont fait les quêtes, normalement il y a la citadelle ici, ici. Normalement ça fait ça, normalement ça fait comme ça, ça coupe, ça remonte, et puis c'est un peu bizarre. Alors bon, voilà, les renforts, donc ça c'est tout nouveau, tout beau, ça c'est plutôt sympa je trouve, d'avoir des trucs comme ça. C'est vrai que là, là au niveau de ça, Fortnite nous ont fait un bon régal. Et donc les skins qui sont un peu sur la map, donc il me manque le 6 et le 14 que j'ai pas encore trouvé, donc voilà. Donc à part les villes qui manquent, moi je trouve qu'il manque un peu de villes, et je pense qu'il en manque une là au minimum. Ils auraient pu faire, parce que clairement normalement en dessous de la ville, pour en dessous de la montagne qui est là, pour ceux qui sont déjà allés là-bas, il y a l'horloge de Greasy Groove. Non, c'est... Ouais, c'est Greasy Groove. Non, je me trompe peut-être. Donc, il y a l'horloge de la saison dernière de... Ah, je sais plus le nom. Bon, ah, tant pis. Donc voilà. Si je m'en rappelle, je mettrai le nom, mais voilà. Donc, on va faire une petite game. Donc j'espère que vous allez bien, que voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, hein, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Moi j'aime bien commencer comme ça. Vidéo sortira normalement le 12 ou le 13, celle-là. Et on viendra sur Pokémon Violet, où on va pousser la chose sur... les zones de terra cristallisation et d'échanges mystères, donc des échanges aléatoires avec des personnes, on va voir avec le club. Mais le club, ça normalement ça c'est quand vous êtes avec des amis ou quoi que ce soit, donc bon. Et je parlerai aussi des échanges normalement avec Code, parce qu'il y a des échanges que vous pouvez faire avec simultané avec des personnages, avec des personnes. Sauf que le truc, c'est que bah, vu que c'est des échanges avec Code, voilà, c'est un peu différent. Donc voilà. Donc voilà, Willy. Donc j'espère que vous passerez un bon hiver. Voilà, c'est pour... Je pars en famille, je pense que tout le monde sera en famille le 24 et le 25, et le premier, je pense. Donc moi, je suis souvent là, j'avais ma ville de prédilection sur la saison dernière, mais sur cette saison, je suis souvent là. Bonjour, ma carotte. Ma carotte qui va bugger, elle va nous casser les pieds. Alors bien sûr, vu que apparemment il y a déjà certains qui nous ont montré pour Noël les nouveaux skins qu'il va y avoir pour les cadeaux de Noël, pour le moment moi j'ai envie de vous dire à voir ce qu'on va avoir, parce que clairement on a déjà quand même pas mal de petites choses, et c'est vrai que là...
fort pour moi. Le shield. Coffre là-haut. On n'est pas dans la zone, mais bon, c'est pas trop grave. Pour le moment, on a encore le temps. Je suis anti-roquette, hein, donc je ne prendrai pas le lance-roquette. Ah.
Waouh. J'ai vu la flèche passer à 50 cm de moi. Elle est où? Ouais. Bon, il est en train de tirer à l'eau. Fallait avoir. Putain. Ah, il est plus. Bah. Ah, peut-être à gauche. Mais je ne vois plus. Faut que je fasse comme d'habitude, que je cherche la proie et puis que je me méfie pas et puis qu'on ait un autre derrière moi. Est-ce qu'il est tous par là-bas? Je suis sûr que c'est celui que j'ai vu. Thank you.
désolé, je prends le violet. Pas fanat, fanat des... Pas fanat, fanat de Star Malan, c'est normal. C'est vrai qu'elle est légendaire, mais... Le souci, c'est la visée, donc... What? Bah putain, elle m'a mis plus de 150 dans la gueule là. En glissant sur la glace. Eh ben moi j'appelle ça de la triche. Hein. Désolé, moi j'appelle ça de l'aide à la visée. Hein. Parce que pour viser comme ça sur la glace, déjà pour savoir viser comme ça. C'est pas possible, je suis désolé. À une distance comme ça, faut savoir viser. Bon, j'ai quand même fait 8-9 kills. Bon, top 9, je crois. 9 ou 8, je sais plus. Bon, c'est déjà pas mal.